Mesdames, Messieurs, bonsoir. Yon plaisir, on l'a fois encore pour l'ensemble pour nous présenter un programme dans l'Anko Haïtien. Nous avons émis depuis Studio 4 dans La Voix de l'Amérique, dans Washington. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité à concernant le pays d'Haïti, journal américain de New York Times, sorti jeudi à un article côté le fait révélation qui gagne surtout pour un rapport ancien président Michel Martelly à conseil présidentiel transition ta gagné sous son gang. Aéroport Toussaint l'ouverture et l'ouvri pendant gagné une délégation pays Kenya qui arrivait en Haïti quelques jours avant arriver un groupe 200 policiers pays Kenya. Les États-Unis condamnés à toute force les requêtes coup pénal international la CPI qui m'a démetté mandat d'arrêt contre quelques autorités israéliennes parmi eux, premier ministre Benjamin Netanyahu et principal leader Hamas. Et puis pays Iran décrété 5 jours d'œil pour rendre un dernier hommage par le président Ibrahim Raisi qui était mort dimanche qui s'est passé là dans un accident hélicoptère. Et c'est point ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans un petit moment et n'a commencé avec actualité à concernant pays d'Haïti et ben gain ancien président Michel Martelly qui t'a fait pression pour influencer composition gouvernement intérimaire et puis mander amnistie pour gangue, c'est ça journal New York Times révélé dans un article qui sorti jeudi mardi 21 mai. Luxon Saint-Ville, t'es lié article ça pour nous. C'est un article journaliste Maria Habib écrit pour journal New York Times pour montrer comment gangue en Haïti a renforcé tête pendant troupes Kenya ont apparu pour rentrer en Haïti. Journal là montrer comment bandi en Haïti mélangé question ZAM avec trafic drogue pour être capable faire plus l'argent pour capable arriver faire article ça journal la parler avec diverses sources en Haïti et à l'étranger il aborde divers sujets et cite non plusieurs monde parmi eux Michel Martelly et Dimitri Erard. Si longtemps gangyo te dépend des élites politiques et économiques pour faire l'argent, New York Times dit qu'il y a certains là-dedans yo gain indépendance financière yo. Journal là qui cite quelques responsables haïtiens fait connait depuis mois février gang yo vin gen yon paquet de gros armes automatiques que peut-être yo volé pour l'armée qui dans région ak l'autre moyen encore. Dans tout bandi qui fait partie fédération ça qui rele vivre ensemble nan, média américain cité Johnson André alias Izo qui considéré comme pi gros trafiquant cocaïne pays a connait actuellement. Chef base 5 secondes là d'après ça qui dit dans article là, konvoye yon bon parti nan produit li yo directement en Europe, c'est ça plusieurs diplomates di New York Times. Journal la parlé de dernière évasion qui était faite nan pénitencier national là, côté plus passé 4000 prisonniers étaient sauvés parmi yo ancien responsable USGPN Dimitri Erard qui était en prison dans cadre d'enquête sous la mort Jovenel Moïse là. Dimitri a pédé actuellement gang Izoa organisé la bayo conseil. Et li même possible pour mettre yo en connexion à pi gros organisation criminelle dans région an, parmi yo divers cartels drogue. C'est ça yon gros responsable renseignement régional ak des diplomates occidental di média américain. Dimitri Erard qui était cité en 2015 dans dossier cargo MV Manzanares qui était accosté dans Port-au-Prince avec plus passé 1000 kg cocaïne ak héroïne qui était caché dans plusieurs sacs sucre. C'est chef USGPN sous Michel Martelly qui lui même tout accusé comme moun qui gen liaison à gang en Haïti. Pendant la parler de dossier ça, New York Times rapporte tout ancien président haïtien a fait pression sur dirigeants politiques qui impliqué dans négociation yo pour essayer influencer composition gouvernement intérimaire. New York Times qui parle avec divers responsables politiques fait qu'on est allié Martelly au conseil présidentiel transition an, lancé une proposition pour demander amnistie pour gangyo et même peut-être pour ancien fonctionnaire l'état qui t'a gagné accusation corruption sous doyo. Yon série accusation chantait suite mais qui a voyagé était bien loin. Michel Martelly dit journal américain li pa fait aucune pression sous conseil là, li pa jamais gen relation à gang et li pa jamais parler des questions amnistie pour pièce moun. Pour lui-même, accusation ça yo politiquement motivé. Gang haïtien yo a renforcé tête yo pendant force multinationale la parel pour débarquer en Haïti. C'est titre article ça qui déjà commencé provoquer en pile commentaire sur réseaux sociaux yo. Effectivement, il y a pile réaction qui sorti sur réseaux sociaux yo, mais nous t'ai essayé entrer en contact avec un membre conseil présidentiel transition hein, et pour nous t'ai capable gain position institution sous question ça sur article New York Times là, mais
malheureusement et nous et pas joigné bien que nous quitter un message pour lui. Et puis l'autre point d'actualité concernant pays d'Haïti, gain aéroport tout seul ouverture là qui rouvre pendant tout c'est dans même moment ça tout gain une délégation pays Kenya qui arrivait dans pays d'Haïti, nous gain sur place Yves Manuel. Sunrise Airways effectue premier vol dans l'aéroport international tout seul ouverture semaine ça en provenance de Miami pour ça qui marque une étape importante après fermeture aéroport là. Fermeture qui était due à cause bandit armé té attaqué installation aéroportuaire nan date 4 mars qui s'est passé là. Vol ça qui c'est un Boeing World Atlantic té gen aboli 160 passagers parmi yo ancien sénateur, homme d'affaires avec divers professionnels. Pendant yo arrivé nan aéroport, passagers yo té bien accueilli bon côté unité coordination ak protocole institution. Yon délégation ambassade américaine qui est en tête li Denise Hansking t'est accompagné directeur général AAN Yves Ducamel François t'est répondre présent sous tamak la. Diverses unités police nationale d'Haïtien t'a assuré sécurité personnalité sa yo. Dans même journée hein, Sunrise Airways effectué vol domestique à destination Cap Haïtien à Kay. Yon vol militaire t'est également observé sous tamak aéroport. Parallèlement, administration a fonctionné normalement sous garde militaire et agent police nationale d'Haïti. Nous apprenons tout une délégation kenyane arrivée dans Port-au-Prince pendant journée lundi. Délégation ça a dû rester dans le pays pendant toute semaine et l'a bien pour rencontrer divers officiels haïtiens. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis toujours sous et réouverture aéroport international, nous parlons au jeune Sandra Le Maire qui gagne l'autre information sous dossier. Principal aéroport international pays d'Haïti a rouvri lundi pour première fois depuis presque 3 mois après la violence gangue et forcé autorité femelle. Réouverture aéroport ou saine ouverture là dans Port-au-Prince pour soulager un raté critique médicament à l'autre produit premier nécessité. Rosemont Désir t'est accompagné aux familles qui t'a voyagé. Il y a des milliers de monde là, surtout qui besoin voyager pendant un certain temps et qui va voyager. Et le matin comme ça là, qui va aller me mettre là. Ok, mais il y a plus de monde qui est en souffrance. Il va se nous sommes satisfaits parce que nous avons plus de villes à prendre. Normile Madeleine t'es gagné billet pour voyager tout. Oh, ça on est content, c'est tout que nous qui ouvre. Et nous disons Dieu merci parce que pour l'autorité qui mettait le travail ça, juste pour faire avion voler, je dis, en capacité là, sans qu'il n'y ait pas le plan sur le caplan. Nous disons merci, nous disons continuer à travailler, que bon Dieu bénisse. Ligne aérienne américaine n'a pas commencé à utiliser l'aéroport pas avant fin mois de mai ou bien commencement mois de juin. Premier vol commercial qui était fait depuis mois de mars là, t'est quitté Port-au-Prince pour aller Miami avec un retard presque 2 heures de temps. Sandra Le Maire, VOA Creole, Washington. Après d'être toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, n'a pas les politiques. Conseil présidentiel transition a annoncé l'IPRAL dépensé pour Pupiti 1 milliard de gouttes dans le cadre des programmes assainissement dans différentes zones métropolitaines dans la capitale. Là, nous allons rejoindre Renan Toussaint. Dans le moment conseil présidentiel transition a annoncé l'IPRAL dépensé pour Pupiti 1 milliard de gouttes dans l'assainissement au niveau zone métropolitaine de Port-au-Prince, certains secteurs politiques mandé pour dissoudre structure ça, yo estimé qui pape cham ka organiser élection générale dans pays. Ancien député Serge Jean-Louis, qui c'est leader Front National pour Démocratie FND, dit expérience collégiale là pas jam porté résultat positif. Regardez ou identifiez si vous voulez aucune grande décision politique qui posait dans nos conseils là taka baille moun l'espoir que conseil ça pral faire le contraire de ça nous même dans FND côté français de ça nous même dans bureau politique au gouvernement là nous te penser nous défendre pendant plusieurs fois dans différentes conférences de presse non baille nous fait des démonstrations sur le rôle joué par la cour de cassation et là qu'on dit la cour de cassation est une référence positive pour qui ça c'est pas la cour de cassation. On fait ça et jusqu'au n'a parlé là, j'en dis là, pas gain aucune action et y opposer qui t'a qu'à changer opinion. Donc pour nous-mêmes, des pouvoirs de la mairie, donc pas changer opinion, donc continuer croire conseil présidentiel ça
n'est pas capable de résultat parce que collège, système collégial en Haïti, pas jamais ça. Semaine passée, hein, Conseil présidentiel transition t'a adressé une correspondance par le président pays Kenya, William Ruto, pour renouveler demande envoi mission multinational soutien à sécurité en Haïti. Conseil présidentiel transition a travaillé pour Kenya sous base choix yon nouveau premier ministre Kabgen pour diriger transition démocratique là. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Effectivement, un conseil présidentiel transition a travaillé là Kenya sous yon paquet de dossiers pour que capable choisir yon premier ministre pour qui diriger transition. C'est comme ça tout yon organisation femme qui appuie candidature madame Marie-Denise Claude pour poste premier ministre là. Mandé conseil présidentiel là, c'est yon femme pour qui diriger et gouvernement. Détail avec Massia Dovilmé. C'est réseau pluriel femmes politiques haïtiennes, une structure qui regroupe plusieurs organisations femmes dans la vie nationale pays, qui m'a demandé conseil présidentiel transition pour appliquer l'article 17-1 moment loi pays dans le choix fait pour poste premier ministre. Là. Moseline Pierre-Louis, c'est responsable de ce là. C'est respecter tout accord à convention l'État haïtien de signer pour que les femmes, tout côté, décision à prendre dans la plus grande instance pays d'Haïti. Pour toutes les raisons, ça y est, à Claude encore, n'a pas couru Marie-Denise Claude. Mesdames, qui fait choix ancien candidat Maléré pour poste sénatorial, l'a dit, Madame Denise répond à tous critères pour c'est lui-même qui chef de Matia. Marie-Denise Claude toujours respecte l'engagement lié à l'explication la loi. C'est une femme qui gagne oui et non. Marie-Denise Claude, qui sortit dans la troisième circonscription Port-au-Prince, déjà tant mieux, c'est lui réflexion sur le dossier insécurité. Il déjà paré pour le bataille bon Jean. Pour commencer bon Jean chita parler parce que il comprend bien que problème et sécurité a c'est un dossier transversal côté tout le monde. Tout secteur doit jouer rôle par eux. Avec Marie-Denise Claude, conseiller présidentiel, yo a bien une bonne collaboration qui pagaient en quel mauvais dossier. Présidentielle transition, Louis-Gérald Gilles, fait qu'on n'est pas trop longtemps, population apprenne qui moun ka premier ministre là, pendant le présenté principal chantier nouveau premier ministre là, après pour travail sous Rio. 25, 26, 27 mai, faut que conseil présidentiel là, nommé, choisi, nous sept qui ka voté pour nous choisir au premier ministre. Chantier à clair. Chantier, c'est une bataille pour nous mettre en sécurité. Chantier, c'est pour nous bataille pour nous apaiser la souffrance de la population. Chantier, c'est pour nous retirer les gens qui ont appris provisoire. Vous pouvez nous comprendre. Chantier, c'est pour nous voir comment nous faire une bonne élection. Toutefois, c'est plus passé 200 personnalités qui posaient candidature pour une premier ministre pour voir transition. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilmé pour VOA Creole. Actualité apmené nous connait dans ville Okaï dans département sud pays à côté avocat barreau ville ça organisé diverses activités lundi 20 mai 2024 là une façon pour commémorer fête Saint-Yves qui c'est avocat qui c'est patron avocat. Nous sommes sur place Jean-Ernst Eliscar. Engagement université dans temps crise, c'est sous thème ça. Mouvement étudiant parti engagé pour développement aidé, te réalisé yon conférence débat dans ville Okaï, yon façon pour te commémorer fête drapeau à université 18 mai 2024 là. Précision coordonnateur national mouvement étudiant aidé solitaire Dave Witzlaw. Bon, nous te gardé engagement université en temps de crise. Donc la donne, il y a une question posée, c'est sur la question de la bonne gouvernance, nous regardons la question de l'éducation, puis l'autre thématique. Nous devons parler sur l'importance du drapeau. D'abord, nous regardons le drapeau comme un symbole patria, nous regardons le drapeau comme souveraineté et nation. Donc, il est plus que important pour activité ça, pour faire à répétition dans toute notre ville, pour arriver à conscientiser les étudiants sur et prise de conscience de gagner envers drapeau. Oui, son réussite, surtout en termes d'effectifs, nous avons plus que 500 personnes qui mobilisaient jeunes étudiants, qui mobilisaient et étudiants et élèves philo tout. Donc c'est une satisfaction.
pour fêter fête drapeau plus passer une trentaine l'école te défilé dans la rue au Kay. Cependant, coordonnateur activité ça, France Arthur Mauvais critiquer autorité dans l'état, li dit qui pas de bail participation. Et mais ça là on regarder là, nous pas de participation, aucun monde là dedans. C'est seulement secteur privé à Okaï. L'État pas dit un mot. Personne dans l'État. Oh, l'État ou l'État pour t'organiser fête de drapeau. Imaginez tout le monde qui a mangé pour eux. Après défilé, et maintenant ça sera. L'État pas dit rien avec nous. C'est nous-mêmes, c'est secteur privé. C'est Fondation Gaspard Clergé qui va nous coûter main. C'est Samuel Ekila. C'est Mena et c'est Harold Inibank. C'est moun ça aujourd'hui là qui va nous coûter main pour nous faire ça ou en faire là. C'est Etsec et c'est collègue Bethesda. C'est tout moun ça qui dit ça n'a fait à bon pour le pays. Yo aider nous pour nous faire ça. En rassemblé en bas drapeau, c'est sous thème ça. Fête drapeau à université te déroulé dans le pays d'Haïti 18 mai 2024 là. Jean-Ernst Eliscar, VOA Creole, Okaï. Nous parlons qu'on y a en République dominicaine, côté yon jou après, li fin réélu comme président République dominicaine, Luis Abinader, parlait de crise Haïtia avec réforme fiscale que le prévoit et prend pendant le nouveau mandat là. Détail avec Gentil Augustin Junior. Président élu République dominicaine, Luis Abinader, dit à hier lundi 20 mai 2024 là, li pral rencontrer ak leader opposition pour discuter sou réforme fiscale possible et li te profiter parler tout sou crise Haïti. La situation d'Haïti a hecho que se hayan disminuido las exportaciones. Situation en Haïti a te traîné importation nan yon diminution parce que c'est yon pays qui nan crise. Et importation yo te descend peut-être à 15%. Mwen pa trop rappelé mkounia. Mwen pense que ça pral normal et puis troupe Kenya yo qui pral vini, c'est pral commencement. L'il pou yon deuxième mandat, Abinader te dit crise violence qui a frappé voisin Haïti diminue importation yo. Cependant, li espère que troupe Kenya kap vini pour pacifier pays a pral pote résultat et li te continue pour le dire. Nous estamos en coordination con nous a coordonné avec pays qui impliqué dans sécurité en Haïti yo. Les forces Kenya arrivé, nous doué konnen ki conséquences li pral gagner. Moins capable di nou que tout mécanisme sécurité ak force la men nan pays a konnen quel que soit risque ou soit nouveau action. Moins pa ka di trop, mais nous gen connaissance, information ak intelligence pour préparer nous pour n'importe sa ka privé. Nan ti tan pale sa, président te di li pral renkontre lider opposition an pou travay sou reforme taxe nan peyi l et li annonse nouvo plan li genyen pou 4 lane li pral pase sou pouvoir. Mwen vle di nan konversation sa, nou pral aproche lider opposition an, men tout société dominicaine. Sa vle di nou pral intégrer tout société dominicaine. Se youn nan sujet ke nou pral diskite. Réforme fiscale, m'a répété, qui concerne réforme fiscale, mais tout réforme dépenses publiques yo. L'ité ajouté. Claro que tenemos un plan, nosotros tenemos un plan. Oui, nous gagnons plan. Nous gagnons depuis lè nou rive nan gouvernement. Et puis c'est un plan pour 4 l'année pour améliorer éducation nou an, aide principale pour santé, côté yo besoin plus ressources pour continuer à réforme la police là qui te fait progrès. Abinader te dit que réforme nan ta gen la dan ajustement taxes ak dépenses publiques et puis li pap mette en danger croissance économique République Dominicaine pendant y a cherché protéger moun ki pi vulnérable nan pays a. Cependant, li te averti que proposition li a ta gen en pile chance pour entrer en vigueur à quelque changement. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou sou VOA Creole, ou suivi un programme nan langue créole haïtien, rete branché. Et puis, quand y a nous prenons dans New York, côté historique, l'ancien président Donald Trump, là, on tape déroulé aujourd'hui à Gon Pose, mais l'a continué, mais grand pire sensation que procès a provoqué. Nous sommes sur place, Valérie Saint-Louis. Pour ceux qui étaient au campé pour jusqu'à semaine prochaine, dans le cas contre Donald Trump, là, hier lundi, dans le jugement criminel, là, contre l'ancien président.
Témoignage Michael Cohen est arrivé fini hier lundi 20 mai après 4 jours et 17 temps comme dernier témoin dans dossier la justice là qui accusait Donald Trump que il t'ait falsifié dossier business li, l'elle t'ait remboursé Michael Cohen l'argent pour t'ait payer actrice film porno Stormy Daniels là pour pas parler. Michael Cohen te reconnaît qu'il t'ait commis un crime. Il t'ait raconté témoigner en détail que Donald Trump t'ait promis lui pour le rembourser l'argent. Li t'ait bail pour Stormy Daniels fermer bouche pas parler de relations sexuelles li avec ancien président. Avocat Donald Trump a accusé Michael Cohen comme un gros menteur qui baille en pile menti. Avocat défense là Todd Blanche t'ai posé la question pendant plusieurs heures de temps. Il était concentré sur mauvais actes, monsieur, une façon pour le faiblir témoignage li. Défense là t'ai fait valoir que Donald Trump t'a protégé famille contre faux réclamations qui t'a fait yo. Il t'a essayé discréditer Michael Cohen, ça qui t'a déterminant pour sort Donald Trump là devant la justice. Mais il pas de printemps après que défense a commencé car hier lundi a pour bagaille a commencé chauffer dans tribunal là. Juge Juan Merchant t'a bail témoin pour défense là, Robert Castillo avertissement et puis il t'a menacé pour le faire descendre sur extrait tribunal là après que il t'étendait le cap complaine. Les juges l'a t'ai soutenu objection contre question que t'a posé lui. Juge Merchant t'a même demandé pour la pression sortie qui était sale tribunal là, une dit après que il t'ai réprimandé témoin Robert Castillo. C'était un petit moment de discussion sans attendre qui t'a fait en dedans tribunal là pour un jugement qui pas loin fini. Pendant que avocat défense ensemble gagne en pile chance pour le boucler dossier li jodi madia, juge Merchant lui-même t'a dit que il t'ai planifié pour tendre argument final des parties yo mardi prochain en date 28 mai parce que il t'ai pensé bail membre jury yo un week-end pour 4 jours pour l'élite capable pour faire délibération verdict li jour au verti tribunal là après jour congé qui c'est jour mémorial là ici aux États-Unis. Quel que soit temps repos qui t'apprend pour ces criminels contre Donald Trump là tout près fin li avec à peu près une semaine pour que décision finale là tombe dans main membre jury yo. Mais pour 19e journée dans tribunal là en résumé procureur qui sorti dans bureau avocat district Manhattan là t'est ajourné car hier lundi après-midi après que t'est relé 20 témoins pendant 15 jours parmi eux Michael Cohen vedette film porno Stormy Daniels ancien aide assistant Donald Trump Hope Hicks avec ancien publicateur journal National Enquirer David Pecker et comme d'habitude Donald Trump ancien président américain pendant jugement toujours font-il parler avec la presse lui dit c'est tout le monde qui a dit pas gain aucun crime pas gain aucun crime c'est un tribunal tête chat moi pas jamais moi bagaille comme ça New York vraiment a fait jugement pour peut-être parler. Le monde entier a regardé pour ça qui a passé. Et puis, on n'a pas utilisé un juge qui a un conflit. Ça, c'est un juge qui a un pile conflit. Ça t'a donné une décision qui est facile. Et moi, je pensais que le t'a bon pour juge Merchant lui-même, diriger jugement des bureaux et puis suspendre avec persécution ça. Avocat défense de la Trump, il a suspendu Kahn pour ces criminels-là, jeudi Madia, sans que l'ancien président lui-même pas témoigné. Et juge la prévoit, délibération jurien t'a qu'à commencer semaine prochaine. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Yon l'autre point cap dominé actualité a c'est mandat d'arrêt tribunal pénal international là voyez compter responsable dans pays Israël et puis contre Hamas et faut dire que accusé ou pas bien recevoir et dossier ça ou bien plainte ça et Jean-Robert Philippe et yon nan pays qui fâché en pile c'est les États-Unis Washington mauvais concon pour et question mandat d'arrêt ça. Oui, effectivement, Jacqueline. C'est d'accord que c'était pour les États-Unis, même le mandat ça a été sorti. En tout cas, le problème qui est qu'on a sur le dossier, c'est l'application. C'est qui gens que qui pays ou qui est-ce qui va le mettre en application pour exécuter le mandat ça a été lancé contre d'abord deux autorités israéliennes avec trois militants Hamas. Donc, c'est une question que ça a posé qu'on y a là, mais en principe, et même Palestiniens, eux même tout. Il n'y a pas la même façon que le tribunal a lancé mandat, surtout contre les militants et contre le gouvernement israélien. Firm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes. Procureur tribunal pénal international là, Karim Khan, déclaré qu'il y a assez de preuves après 7 mois d'enquête pour lancer mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec le ministre de la Défense israël là, Yoav Gallant, pour crime de guerre qu'il commet dans le territoire Gaza. Le tribunal là, lancé mandat d'arrêt tout contre 3 leaders groupes militants Hamas avec l'autre groupe pour crime qu'il commet contre civils israéliens pendant l'attaque 7 octobre passé. Le président américain Joe Biden n'a pas perdu de temps pour le défendre à toute force le mandat pour
arrêter leader israélien yo. Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. En clair, nous rejetons le mandat pour arrêter les leaders israéliens. Quelle que soit la signification du mandat, ça n'a pas aucune équivalence entre Israël et Hamas. Dit clair, Israël veut faire tout ça capable pour assurer la protection civile. En clair, sur ça. Contrairement avec l'accusation du tribunal de justice internationale, l'affaire contre Israël, ça n'a pas passé à ce génocide. The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan. Pour lui, c'est Benjamin Netanyahu, beaucoup de parles considérer l'accusation ça comme une absurdité. Mon rejeté acte de goût, comparaison pour que le tribunal l'a fait entre Israël démocratique avec groupe assassin Hamas là, c'est une distorsion complète réalité. We are against this decision because they have equated. Les Palestiniens qui ont vu dans le territoire Gaza déclaré yo contre décision à cause yo mettez victime yo dans même niveau avec exécutant yo. Nous gain droit pour nous gagner un territoire qui j'en monde cap résister et cap mande libération territoriale tourne yon criminel et puis criminel yo même beaucoup de pa yo tourne protecteur. Wa ana astati an aqul leader militaire al-athman al-bahira sam kabab di malgré ko pet a kou peuple palestinien dans Gaza a payé entité zioniste là échoué l'elle pas atteint objectif militaire stratégique li. Les républicains avec démocratie dans le Congrès a condamné le mandat d'arrêt tribunal criminel international. La. Les majorités démocrates dans le Sénat, Chuck Schumer, qualifié décision tribunal là comme une honte. Les minorités républicaines dans le Sénat, Mitch McConnell, déclaré décision a montré qui j'en membre tribunal là, c'est une bande kangourou voyou. Sénateur indépendant Bernie Sanders publie une déclaration pour supporter décision tribunal là. L'elle fait connaître l'impératif pour communauté internationale. Là, faire respecter loi internationale. Israël, allié principal, les États-Unis, ensemble avec la Chine et la Russie, pas membre tribunal pénal international. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Nous parlons d'un pays, Iran, Konya, côté autorité, a décrété 5 jours d'œil national pendant qu'il a commencé un dernier hommage par le président Ibrahim Raisi. Vraiment vrai, c'est plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens qui étaient descendus dans la rue dans le moment où ils ont transporté le président et le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullah, accepte l'autre personnalité qui périt dans l'accident hélicoptère qui arrivait dimanche qui s'est passé là à cause d'un brouillard dans une zone reculée dans le pays Iran. 8 sécailles ont été enveloppés avec drapeau iranien et nous capables qui gagnent un pile fleur sous eux. Et puis, la mort président ouvert une période d'incertitude politique dans le pays Iran avant déroulement d'un présidentiel qui pourrait remplacer le présidentiel qui a déroulé dans la date 28 juin qui a venu là. Funérailles qui gagne pour bout jeudi qui a venu là, commencé depuis jeudi Madia dans Tabriz, une grosse ville qui dans le nord-ouest tout près côté accident arrivé. C'est qu'il a transféré dans la ville Téhéran avant l'arrivée dans Qom, une ville 7. Enterrement gagne pour continuer dans Téhéran côté guide suprême nan Ali Khamenei avec président cérémonie prière d'adieu demain mercredi qui déclaré férié et faut dire que enterrement gagne pour continuer dans Téhéran tant que nous sommes dit et plusieurs pays étrangers parmi eux la Russie, la Turquie, Irak et ben yo annoncé qu'il y a présent dans funérailles là mais pas au niveau chef d'état. Président Raisi gagne pour enterrer dans ville natale Machad, ville côté que li te prend naissance et réaction continue à sortir à travers le monde sous accident ça qui arrivait dimanche qui saute passé là. Nous pratiquement arrivé dans faire programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Merci pour attention, merci pour fidélité et nous remercions Franklin, Zami Pano qui était là et puis semble l'autre monde qui participait, Jean-Marc Hervé Abella qui était chef pupitre et gentil Augustin Junior, le vigilant qui derrière et puis nous dit bon retour à chef service là Sandra le maire qui retournait dans Kaila et ça fait qu'elle nous connaît parce que depuis le retour elle toujours porter bail pour nous. Merci tout le monde, moi c'est Jacques Lavelizard donc rendez-vous à demain.